Coucou mes petits papillons. Aujourd'hui une nouvelle vidéo spéciale qui n'est pas une vidéo spéciale pour fêter les abonnés ou quoi que ce soit, mais c'est pour fêter l'anniversaire de ma senpai. Et donc bon, pour ceux qui savent pas qui est ma senpai, c'est Yuri Maehara. Donc je vais mettre sa chaîne dans le lien de sa chaîne dans la description. Pour ceux qui ne seraient pas abonnés, ce qui est une honte, mais vous allez voir, ceux qui ne connaissent pas, et ben, elle a vraiment une voix merveilleuse, magnifique, que j'aime. C'est pour ça que c'est ma senpai, parce qu'elle est trop douée. Et voilà. Et donc j'ai fait une vidéo, je perds ma voix. J'ai fait une vidéo, gros bug. Bon, ce que je voulais dire de base, c'était pas j'ai fait une vidéo, c'est je me suis amusée à faire cette vidéo. C'était plus simple et plus rapide que de faire un cover, donc voilà. Et j'espère que vous allez apprécier, que vous allez vous amuser autant que moi en écoutant le résultat. Et j'espère aussi que ma senpai ne sera pas trop en colère contre moi. Je ne pense pas. J'espère que ça fera bien marrer aussi. Et je vous dis à tout de suite, parce que je vais rajouter un petit mot à la fin de cette vidéo. Un petit mot pour ma senpai d'amour. Bisous les papillons. Mouah. Hello senpai. Tu t'attendais un cover de ouf de la mort qui tue, n'est-ce pas? Eh ben non, c'est pas ce que je t'ai préparé. Non, pas cette fois. Tu l'as dans le... Bref, passons à l'histoire. L'histoire d'une jeune fille nommée Yuri Maehara. Vous la voyez, cette jeune fille-là? Ceci est son apparence extérieure. Une apparence, ma foi, innocente et pure, comme moi. Cette jeune fille possède un trésor, plus précisément ce qu'on appelle une voix en or. Elle en fait jouir plus d'une. Et plus d'un. Elle peut chanter d'une voix si badass. Voyez, tellement de puissance. Mais la vie n'est pas tout le temps rose pour la petite Yuri. Enfin, je dis ça, mais n'oublions pas qu'elle a du soutien de moi. Cependant, encore une chose sur sa personnalité. Son intelligence ne dépasse pas celle d'une patate. À ma soeur, pipi, je sais qui est. Yumi, bouge ton cul, ramène tes fesses, d'accord? On doit te faire caca. Ben, en train de faire caca et pipi. Mais le pipi passe avant le caca après. Ou ça dépend des fois. Non. Yumi, tu devais dire en micro, j'ai envie de faire pipi. Ah, bah en fait, je suis vraiment allée faire pipi. Et là, t'as fait pipi? Ah oui. Ça prend pas 1000 ans de faire pipi non plus, hein. Ah bon, je croyais que tu faisais caca, moi. C'est caca. Mais j'ai dit pipi, c'est pas pour rien. Malheureusement, ma senpai, elle peut aussi être violente. Hinoli wa... Putain, pourquoi tu bailles? Elle me fait peur. Krista...
Cristal. Cristal. Cache-toi. Comme vous pouvez le deviner, son plus grand ennemi, c'est sa voix. Takaku, takaku, kono te wo nobashite, kita, kita. Ça lui arrive de déformer les paroles. C'est horrible. Me sucer, tu penses? Me sucer, tu penses? Quand elle est constipée, ça donne ça. Des fois, elle est un peu bourrée aussi, alors bon, ça donne quelque chose comme ça. Et puis, le rire de Yuri, c'est quelque chose. Ah, aussi, de temps en temps, elle me fait souffrir. Elle fait des trucs bizarres avec ma voix. Ça donne des trucs un peu bizarres. Bref, cette fille, bah, c'est Yuri, quoi. Et Yuri, sache que... on t'aime comme tu es. On t'aime. On t'aime. On t'aime. On t'aime. Beaucoup, 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 beaucoup. Et pour finir... c'est pas gentil de dire ça. Et encore un petit truc. Tu te souviens, senpai, de... Bonjour pour ceux qui seraient restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes bien marrés. Et toi aussi, Yuri, j'espère que tu t'es bien marré. Et j'espère que c'est bien comme cadeau d'anniversaire. Et donc, et ben maintenant, je vais faire... enfin, je vais te dire des choses que je ne t'ai pas encore dit, je pense. Et que, bon, comme je suis de nature timide, et ben voilà, ça aurait été impossible pour moi de te le dire en face ou par call, enfin surtout par call vu qu'on se voit pas trop IRL. Donc voilà, je voudrais te dire merci. Merci d'être venu vers moi en fait quand j'étais sur YouTube. C'est grâce à toi que j'ai commencé vraiment à faire des covers, des covers bien quoi, et que ce soit plus sérieux que ça ne l'était tout au début. Merci de d'être venu me voir et de m'avoir demandé un duo. Quand je repense à ce moment-là, c'est bizarre parce que je te connaissais pas bien encore et c'est trop bizarre rien que d'y repenser. Et maintenant quand je vois comment on est devenus proches et tout, et comment on fait plein de conneries ensemble, surtout toi, c'est toi qui fais toujours des conneries. Je ne fais que t'accompagner, après tout. Et donc, merci beaucoup. C'est vraiment grâce à toi que tout a vraiment débuté sur YouTube pour moi. Et c'est grâce à toi si j'en suis là aujourd'hui, grâce à ton aide et voilà, et à ton amour aussi. T'es vraiment quelqu'un d'extraordinaire, Yuri, et je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Et j'ai les larmes aux yeux. Non, vraiment, je sais pas trop quoi te dire, juste ça, merci beaucoup. T'es vraiment quelqu'un de gentil et tu fais vraiment attention à tout le monde. À chaque fois que quelqu'un a un problème, tu sais quoi faire pour le réconforter. Et tu t'es toujours là et voilà, je t'aime, Yuri. Je t'oublierai jamais, quoi qu'il arrive. Ça sonne un peu dramatique, là. Voilà. En fait, je sais pas si j'ai autre chose à dire. Je suis sûre que oui, mais bon. Voilà. Si je me mets à faire des... Voilà. Ça va pas le faire, donc je pense que je vais arrêter là, mais... Voilà, je voulais vraiment juste te dire, quoi, merci, 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 merci. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'espère qu'on va continuer à être comme ça
jusqu'à la fin de notre petite vie. Et j'espère qu'on va continuer à faire plein de collabs ensemble aussi. Même si c'est dur parce qu'on a toujours d'autres trucs à côté. Enfin bref. Voilà. Merci. Et je t'aime Yuri Senpai. De tout mon cœur. Et surtout, joyeux anniversaire et profite bien de ta journée. J'espère qu'elle va bien se passer parce que sinon c'est nul. Voilà. Encore un joyeux anniversaire. Ça pue, tu pues vraiment du cul.